Eh bien bonjour à tous, je suis Super Creeperman et nous nous retrouvons pour faire du build battle, je sais pas pourquoi mais j'avais envie d'en faire. Donc ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Ok. Donc on va y aller dedans tout de suite, build battle solo vu que je suis tout seul. Donc écran de chargement. Ok. Une console de jeu. Oui, mais il y en a plein des consoles de jeux. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui est le plus simple à faire? Une console de jeu. J'ai pas beaucoup d'imagination. Cela va être très dur. Hein. Allez, faisons une DS. Hein, voilà. On va faire une DS. Parce que j'ai pas trop d'autres idées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Comme ça. Non. Je vais me prendre un exemple hein, parce que. Voilà, vu mon imagination qui est très élevée. Quatre, cinq, six, sept. Allez, on va faire ça de cette taille-là. Faire ça assez gros. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sol, on va mettre quoi? Allez, hop, des lanternes des mers. Juste pour que ce soit joli. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu. On va faire un peu comme si c'était un Mario. Je vais faire un truc. Non. Ouais, allez, je vais faire ça comme ça. Donc, on va faire un peu comme si c'était un Mario. Je sais pas, par exemple. À quoi ça ressemble à un écran? Un écran inférieur de Mario par exemple ce qu'on peut faire c'est par exemple je sais pas on va dire là c'est les étoiles on va dire le mec il a les deux premières il lui manque la troisième là on va dire il y a le score avec là on va dire le nom du niveau par exemple je sais pas hein, je fais ça un peu au hasard. Hop, 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 voilà. C'est pas très beau, mais on s'en fout. Donc, on va faire pour l'écran supérieur déjà 2 minutes. Je viens de me rappeler de quelque chose. De très important qui s'appelle les boutons. J'avais oublié que des boutons ça existait. Non, en vrai, j'avais pas oublié, mais bon, on va laisser ça comme ça. Et pour les boutons, on va mettre des boutons et des plaques de pression. On va dire, il y a le bouton off. Oh, ça marche pas. Ok, bon, bah, c'est pas grave, on va faire ça. Ok, là on va mettre les 4 boutons qu'on a là. Ok. Et là on va faire un. Ok, là je pense qu'on est bon. 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que j'aurai pas le temps de finir. Oh non, j'aurai pas le temps de finir. J'ai pris trop de temps pour réfléchir au début. Au moins sans écran. Sinon j'ai une idée pour l'écran. On va faire un écran de chargement. Voilà.
Quand on n'a pas d'idée, on fait un truc tout simple. Je voulais faire un truc avec des arbres, une petite déco. On va dire écran de chargement, un écran tout gris avec marqué loading en plein milieu. Et vu que les gens n'ont pas d'imagination, on va marquer Nintendo 3DS. Voilà. Et sinon ils vont pas savoir ce que c'est. Donc on va dire je trouve pas ça très exceptionnel, franchement. Je préfère largement ce que j'ai fait moi. Ah, ça je vais dire ok, ça c'est pas mal ça. Avec les têtes c'est bien, les têtes et les leviers, ouais, ça je mets ok, ouais. Ça me paraît bien. Poupe. Les boutons sont un peu disproportionnés en plus, hein. Super poupe. Poupe. C'est pas vraiment très très beau. Ah, les Legendary. Allez, les Legendary. C'est beau quand même, hein. C'est un micro-ondes. Super poupe même. On va mettre OK. Non, on va mettre poupe, en fait. C'est pas. Vu du dessus, c'est moins joli quand même. De 1, c'est pas une console, c'est un ordinateur. De 2, c'est pas fini, donc je me super poupe. Je vais mettre poupe, parce que quand même ils étaient 2. Mais c'est, vous avez vu quand même comment c'est disproportionné. Super poupe. En plus, ils ont même pas pris la peine de mettre du tableau partout. Ça, je sais pas ce que c'est, avec un poulet dedans. Ok, je suis sixième. Ouais, bah, je suis d'accord que ce soit lui qui a gagné. C'était pas trop moche, on peut dire. Ah, il y a moi. Moi, c'est l'endroit qui fait beaucoup de lumière. Bon, du coup, j'espère que pour cette deuxième partie, on va tomber sur un thème un peu plus simple. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc fallait le temps que je me remette un peu dans le bain. Allez. Ok. Bon, bah là, on va devoir attendre un petit peu. C'est pas téléportation instantanée. Les informations, on s'en fout. Je vais voir les informations de l'autre côté. En fait, il dit juste ce qu'il faut faire. Star Wars. Ok. Ouh là 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 là. Je sais vraiment pas ce que je vais faire. En plus, vu mes talents de construction. Non, je vais quitter la partie parce que là, le thème, non. Je vois vraiment pas. Je vois vraiment pas comment faire. Franchement, faire un vaisseau, ce serait de la grosse merde. Faire un personnage, ce serait encore pire. J'allais dire, tiens, sinon j'ai juste marqué le titre Star Wars. Ouais, mais après là, ce sera perdu à coup sûr. Donc non. Quand c'est des personnages ou des trucs comme ça qu'il faut faire, je peux pas y arriver. Redstone. J'ai fini. Ok. On va s'amuser à faire des cloques. Allez, pourquoi pas. J'ai rien d'autre à faire. La redstone ne marche pas. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est quoi faire
va faire de la redstone. De la redstone. Donc, on va mettre ça là. Hop. On a deux, trois comme ça. Comme ça, comme ça. je suis sûr, les gens, ils vont se demander ce que j'ai fait. Là, ça fait 3. On va remettre là. Par contre, ceux qui sont des packs de texture, ils vont encore plus se demander ce que j'ai fait. Ouais, non, en fait, ça, je pense pas que ça. Si je gagne avec ça, franchement, je me pose des questions sur, sur l'intelligence des gens. Parce que c'est pour moi totalement impossible de gagner avec ça. Donc, j'en suis où là? Là, on a ça. J'en suis où là? Hop, hop, hop. Après, c'est un truc à répétition, donc. Là, on est là. Si on rajoute une redstone. Ça comme ça, ça comme ça. Comme ça, je crois. Ouais. Les idées. On va faire un 8-piteur, pourquoi pas. Abandon. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en sol, pourquoi pas. Et on va mettre de la redstone un peu partout. Ok. Bon, si je gagne avec ça, je comprends pas. Je peux pas gagner avec ça, c'est pas possible. Impossible. Ce qu'on va faire, c'est quand même faire quelque chose. Vu que j'ai rien d'autre à faire. Pour donner un peu plus de couleur en plus, hein, sinon ça. Sinon c'est pas beau. Si c'est pas assez coloré. Ok. Bon bah voilà, hein, c'est la. En même temps, j'aurais pu faire des systèmes de redstone, mais vu que la redstone ne marche pas dans les build battles, eh ben, je peux pas. J'aurais pu faire des systèmes de redstone, tout ça. Un petit screen quand même, hein, c'est tellement beau. Hop, je vais m'amuser à escalader en faisant des super sauts. Super saut, super saut. Et on va en profiter pour regarder le jeu. Ah oui, bonne idée. J'aurais peut-être dû regarder sur les autres pour les copier. Hein. Ok. Je vais dire ok, même si j'aime pas trop les pixel art, je trouve. Voilà, ça sert un peu à rien. Parce qu'en fait, il y a aussi un jeu où en fait on peut dessiner, donc autant faire ça s'ils aiment le pixel art, ça je mets super pour. C'est encore pire que moi, parce que moi encore j'ai fait l'effort de tester de faire de la redstone pixelisée, mais lui il n'y a aucun effort. Super cool. C'est nul, c'est nul.
On va dire OK. On va dire Super Poop. Je crois que le mec a pété un câble. Il était comme moi, un peu perdu, sauf que lui, il a pété un câble. Moi, lui, je lui dis good. Donc j'ai eu envie de le recopier. J'espère que c'est lui qui va gagner. Enfin, j'espère que c'est moi qui vais gagner, mais si c'est pas moi, j'espère que ce sera lui. Super Poop. La personne est un peu bizarre quand même. What the fuck? Super Poop. Super Poop. Non mais quand même. Poop. Poop. Le mec, il a littéralement pété un câble. Il a même rajouté des vaches. Poop. Poop. Eh, mais pourquoi lui, ça les a allumés, ces lampes? Moi, ça ne les allume pas. Je vois tout le monde avec des trucs rouges. Dans... Oh! Je crois qu'on est 12 dans la partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, mais je suis pas dernier ni avant-dernier. Je suis avant-avant-dernier. Je suis 12e sur 14. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aurais pensé que ce serait pire avec ce que j'ai fait, mais bon. Les gens ont été sympas. Bon, en même temps, il y a des gens qui avaient fait encore plus le bordel que moi, donc. Ça peut se comprendre. Allez, on va finir cette petite vidéo sur un jump. Ça va m'entraîner à la map que je suis en train de faire en ce moment. Vous pouvez aller la voir, c'est la map en mode galère. Pourquoi j'y arrive pas? Mais j'ai l'impression qu'il y a un TP. Vu que la vidéo n'a pas duré assez longtemps pour moi, et ben. Je finis sur un petit jump, voilà. Un peu de jump, ça. C'est toujours du bien. J'avais pas vu en fait comment dire. Bon, j'avais pas vu. Voilà. Je vais juste te dire, j'avais pas vu. Et regardez, ça me retp au début en fait. C'est un peu buggé, mais bon. C'est pas un peu buggé, c'est complètement buggé. Je vais même faire exploser ça. Non, ça peut pas nous propulser, sinon je dis je triche, je me mets à la fin. Je finis une vidéo de build battle par un jump quand même, c'est un peu bizarre. Là, vous avez vu, ça m'a fait perdre du temps. Pourquoi? Parce que ça m'a fait... Ça m'a re-téléporté sur le bloc où j'étais avant. Là, j'ai vraiment cru que j'étais mort. Pourquoi faut-il que je saute trop loin? Non, mais sérieusement. Non, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Bon, de toute manière, je vais bientôt arrêter la vidéo, hein, c'est juste pour le fun. On fait un petit jump. Ne pas arriver à faire un saut de un bloc, quand même, c'est fort. Encore quand tu fais exprès de ne pas réussir, ça peut le faire, mais... Quand tu le réussis pas alors que tu voulais réussir...
J'ai pas fait. Plus à chaque fois, je perds du temps à chaque fois pour revenir. Pourquoi ils ont pas fait que quand on touche le sol, et ben ça nous retépait là. Et vous avez vu, ça m'a retépé en arrière encore. Je vais remercier le bug, mais j'ai fait deux fois la même erreur. J'ai oublié de speed. Et faire un saut de 300 speed, c'est impossible. Et quand je dis que c'est impossible, c'est pas que c'est hyper dur, mais c'est que c'est impossible. Le jeu est fait comme ça, on peut pas faire un saut de 3 blocs sans speed. Ou j'ai failli tomber à cause du TP. En plus, j'ai bien vu que c'était un checkpoint là, c'est pour ça que je suis en mode dégoûté. Bon bah, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Je vous dirai au revoir pour une prochaine vidéo. Bye bye. Donc rebonjour, ceci est un petit bonus dans la vidéo. C'est juste que vu que je suis arrivé loin au jump que je faisais tout à l'heure, j'ai voulu par vous partager ce moment. Donc voilà. Checkpoint 3. Allez, là je suis en dessous de l'endroit où j'étais tout à l'heure. J'ai vraiment envie de vous partager ce petit truc. Bon, si par contre si j'ai un temps élevé, c'est parce que j'ai refait des trucs alors que j'avais oublié que j'avais passé des checkpoints et j'ai tout recommencé du début. Enfin non, j'avais passé le checkpoint 2, sauf que, comment dire, bah j'ai recommencé du checkpoint 1 parce que je me rappelais plus de l'avoir passé. C'est dommage, c'est comment perdre du temps ça. Je me demandais où fallait aller. Checkpoint 4. Donc bien sûr, si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo en entier, vous avez envie, vous êtes juste venu pour le build battle et que ça vous intéresse pas le jump, vous pouvez quitter la vidéo bien sûr. Je ne vous oblige pas de la regarder en entier. Je sais pas où faut aller en fait. Ça doit être par là, je pense. Ah, c'est par là. Donc, bien sûr, j'aurais sûrement mis dans le titre de la vidéo Build Battle plus Jump à la fin. Pourquoi? Parce que pour ceux qui veulent voir que du jump, par exemple, ils peuvent quand même regarder cette vidéo. Hop! Et hop! Ok. En plus, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'on pouvait faire cette commande, donc à chaque fois, eh ben, je retournais à pied au checkpoint. Je me demandais à quoi ça sert le checkpoint, est-ce qu'il y a un moment où on peut mourir? Mais en fait, non, il y avait la commande. Et donc, à chaque fois, je me retapais tout le parcours alors que j'avais fait des checkpoints. Et en pensant que, vu que c'est pas depuis le tout début, et eh ben, ça me faisait perdre du temps. Parce qu'encore, si on recommence de. Depuis le tout tout début, et ben le timer se reset. Que là, on peut pas dire pareil. Là, c'est que le timer continue. Checkpoint 6. Hop, 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 hop. Et je vais finir le jump. D'ailleurs, c'est dommage que vous n'ayez pas pu voir la petite partie. Je me suis dit, oh, mais en fait, j'arrive loin, j'ai envie de partager ce moment. J'aurais peut-être dû rester en vidéo, peut-être. Hein. Comme ça, vous aurez pu tout voir.
Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller, j'ai pas envie de sauter. Il n'y a pas trop d'autres choix. Enfin. 6 minutes quand même. 6 minutes. Bon, en fait, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, quand même. Même s'il y a eu un peu plus de temps que prévu. J'avais envie de finir le parcours. Bon, j'ai essayé de m'améliorer. Mais bon, je vais pas vous reprendre si je me suis amélioré quand même. Hein, donc. Donc, je vais vous dire au revoir pour une prochaine vidéo. Bye bye!